ça. Oui. Ça fait sur la Bretagne normale. Non, plus grand que encore. Oui, mais comme c'est un jeune, ouais. En 3 ans, on regarde comme ça, je suis plus tous les 2 jours, j'ai découvert un portail de mon aquarium. Il y a deux grandes sortes. Il y a les traçants. Là, il y en a un, là. Regardez, là, sous les pieds de, à droite de Yop, il y a un truc qui s'en va. Elle sort à taille, elle va rester comme ça. Oui, c'est je nage c'est des hauts comme ça. C'est pas mais c'est des toutes. Ça sent c'est vraiment les mêmes feuilles. Ouais, ouais. T'as vendu vraiment beaucoup. Mais alors c'est joli. Et en plus, c'était bon. Parce que j'ai mis un peu de plus joli. Je suis plutôt fabriqué pour faire. Comment on dit linéeux quand c'est dans. Linéeux. Mais t'es content parce que c'est à une demi-journée près. C'est comme celle de chez ton. Ben, si un jour vous voulez faire un pied de bambou efficace, c'est ça qu'il faut faire. Parce que celui-là, il a reçu un coup de vent. En fait, il faut prendre une bêche là, ouais. Ronde à une dimension même du pot, si vous voulez mettre dans un pot. Il faut couper là ou un peu plus haut, suivant la mode que vous allez recevoir. Et puis hop, voilà. Regarde, c'est peut-être une question de jeunesse, parce que ceux qui sont derrière, les mêmes, non ? Ils sont tous vers la bonne solution. Est-ce qu'elle a peur de remonter ? Quelle que soit la variété, elle n'a pas mêlé. Il n'y a jamais. Voilà, enfin. C'est pas son meilleur moment là, parce que en fait. Alors, là, donc, il est capricieux. Il veut toujours revenir à son espèce d'origine. Donc, à sa forme d'origine, qui est vert. Et quand tu l'achètes, il est jaune comme ça, ou des petites bandes. Ah oui, il est bien. Ça, c'est un japonica. Le hasard des choses a fait que deux bambous ont fleuri en même temps, mais vraiment très différents. Et il y a eu un croisement de pollen. Ah oui. Ça a donné celui-là. Et alors voilà. Et justement, je n'en avais jamais vu, mais c'est très bien. Alors, si tu aimes ça. J'ai essayé les asperges. Non, oui. Des géants, il n'y en a pas 1000 sortes, il y en a à peu près une douzaine. Ouais.